T'as chaud, Benoît, t'as chaud. En plus, Hitler. Va t'en prendre un coup dans ton bidon. Putain, on va être obligé de t'arrêter pour un coup. Tu vas pas dans la rue d'après. Ah ouais, t'as fait là. Le Bordeaux, c'est pas une compétition là-haut. Le flamingue, il est pas là. Ah, Benoni Bey.
Sur la table de ma grand-mère, j'ai gagné un jour pas. Avec Henri Onglade, j'avais devant, j'ai connu une sorcière d'Henri Onglade. C'est la première fois que j'ai commenté, je souhaite qu'il gagne. À votre avis, il a ses chances. C'est Milan Sarrou tout de suite. Lui qui s'est préparé sur la Suisse normande. Le Calvados est plus long parce qu'il va y avoir une photo de groupe dès que vous reviendrez. Et je crois que le public est très nombreux ce soir à Villeneuve. Alors qu'il y a cette belle banderole donc à la mémoire de Louis Sangel. Eh bien, chacun pense ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la banderole? Voilà, attention, Francis. Louis, on est tous là, c'est vrai que c'est une belle banderole que nous avons. Alors je vais procéder, je vais demander à chacun de passer derrière les barrières, je crois, plutôt que de faire de grands discours, le nom simplement suffira à déclencher un tonnerre d'applaudissements. Alors, Roger Pinjon, s'il te plaît, Roger, viens dans sa numéro 1. Donc vous avancez dans l'ordre des dossards. Voilà, la banderole, vous la remettrez après. Hein. Alors, on va les faire défiler un à un parce qu'il y a beaucoup de gens ce soir et chacun a envie de voir ses champions. Alors, dossard numéro 1, Roger Pinjon. Roger, Federico Bandantes. Federico, bon tour rapide, faire le barrage, ça nous arrange bien, merci. Roger Pinjon peut passer. Oui, l'aigle de Tolède a gardé les habitudes. Dossard numéro 1, ancien vainqueur du Tour de France et du Tour d'Espagne, Roger Pinjon. D'accord, Roger. Allez, oui. Dossard numéro 2. Dossard numéro 3. Écoutez, je suis obligé d'être là, moi, pour ça. Dossard, je me baisse, hein, je fais ce que je peux, hein, mais. Dossard numéro 3, Jean-Luc Vandenbroek, directeur sportif de l'équipe de l'Auto, ancien vainqueur. Bonjour de l'Inter, dossard numéro 4, le fameux champion italien, Maduro sur le Giro, vainqueur de nombreuses classiques italiennes, Italien Signori, dossard numéro 4, accompagné, dossard numéro 5, de l'ancien champion du monde, vainqueur du Tour de France, Felice Gimondi, avec le dossard numéro 5, le fameux champion italien, que l'on retrouve avec ce maillot bleu. Jean-Paul Olivier nous rejoindra tout à l'heure. Un autre ancien vainqueur du Tour de France avec le dossard numéro 6. Double vainqueur du Tour, Bernard Tegelé. Double vainqueur du critérium du Dauphiné libéré. Francis Aurillac est en train de se dire, quel critérium. Ah, c'est vrai. Dossard numéro 7. Lui, ce n'est pas le vélo, mais il a porté le maillot de l'équipe de France en rugby. Mais il aurait pu être coureur cycliste tellement il aime le vélo. Paul de Dieu qui a participé au tournoi des 5 classements de club. L'homme de rugby, Alain, si tu veux monter un tout petit peu la puissance. Dossard au numéro 8. Le Marseillais, René Bertrand. Vous reconnaissez facilement, il était le seul à porter des sockets noirs. Dossard, numéro 9, plus de 20 victoires d'étape sur les routes du Tour de France. Champion du monde, très grand sprinter, André une vingtaine de victoires d'étape sur les routes du Tour, champion du monde, et maillot vert à deux reprises sur les routes du Tour de France. Dossard numéro 10, alors là je dis votre attention, c'est lui qui, eh bien ce soir et sur le vélo, il avait une grande amitié pour Louis, et Louis pour lui, et il a le vélo de Louis en 1971, c'est Titi Favreau qui nous vient de La Rochelle, et qui... Il est totalement avec nous ce soir, il est encore davantage avec ce que nous voulons dire. Le dossard numéro 11 est porté par Joachim Carvalho, qui comme son nom l'indique est suédois. Il a gagné 5 étapes sur le Portugal. Dossard numéro 12, pardon, il nous vient. Ah, on reste superstitieux, personne n'a voulu prendre le 13. Dossard numéro 12, c'est le nordiste Alain Santi, qui fait 20 tours de Paris-Nice. Le dossard numéro 13, c'est Pierre Campagnaro. Et le voilà, Pierre Campagnaro qui est fait. Pardon.
Pierre qui a perdu son rasoir mécanique, ce qui explique que ses jambes sont plus poilues que bronzées. Donc, le dossard numéro 15 est porté par Michel Pedrigo. Il est où, Michel? Pedrigo, à vous la bienvenue. Et vous pouvez le faire ce soir. Le dossard numéro 16 est porté par un coureur allemand qui a gagné le Tour d'Espagne, 3 fois champion du monde de cyclocross, 5 fois vice-champion du monde, le fameux champion Rolf Bolschol, ancien vainqueur du Tour d'Espagne. Rolf Bolschol, le gros spécialiste mondial du cyclocross et qui est venu également très efficace sur les routes de Milan-San Remo. Le dossard numéro 17, et plus 2 fois champion de France, Roland Berland, qui nous vient de la Vendée, double champion de France, Roland Berland, qui paraît-il s'est mis au régime avant-hier. Le dossard numéro 18, par celui qui fut vainqueur des boucles de la Seine, que l'on appelait réserve sur les routes du Tour de France, mais qui n'a pas été le moins applaudi, Gérard Monneron, le Parisien. Gérard, j'ai pas envisé mes fiches, mais ça me revient. Du Critérium National, de la Flèche Wallonne, de Paris-Nice, du Grand Prix Lugano, 7e de la Tour de France et 4e de la Tour d'Italie, Michel Laurent. Étape du Tour de France, de sprinter belge, Benoni Veit, ancien champion du monde. C'était sur le circuit de René en 1963. Le dossard 21 est porté par celui qui fut vainqueur du Tour de France en 59, 6 fois meilleur grimpeur du Tour de France, l'aigle de Tolède, Federico Fernandez. On a souvent le plaisir de les saluer, mais ce soir, ils sont sur le vélo. Et je puis vous dire, je rejoins Pierre Chamis, c'est vrai qu'il y a chaleur, émotion dans cette soirée. Le dossard 22, alors lui m'a fait rêver quand j'avais 8 ans, nous sommes de la même localité, alors je vais l'applaudir un petit peu plus fort, c'est le champion normand, Gégène Le Tendre, qui avait gagné en Radour-sur-Glane, qui fut vainqueur autour de la Manche, et qui avait brillé également sur les tours de Normandie. Gégène Le Tendre a choisi ses roues, il est entre Federico Bamontès et celui qui fait à 3 reprises meilleur grimpeur du Tour de France, Julio Jiménez. Julio Jiménez avec un vélo Bartali. Après le triple meilleur grimpeur du Tour de France, nous accueillons celui qui fut 4 fois champion de France dans les pelotons professionnels, champion de France militaire, vainqueur du Tour d'Espagne, vainqueur de Paris-Bruxelles, de Paris-Luxembourg et champion du monde, Jean Stablinski, champion du monde en 1962, dossard numéro 24. Avec le dossard numéro 25, et le cas de Bordeaux, alors il ne pouvait pas être autre que viticulteur. Il a porté le maillot d'équipe de France à plusieurs reprises. Il a été professionnel, Bernard Dupuche, que nous saluons, fidèle de la Route du Sud, qui prendra son envol demain. Le dossard numéro 26 est porté par un rugbyman que l'on apprécie et qui apprécie le vélo. Il est un ami des cyclistes, Serge Cabernet. Évidemment, grand nom du rugby, passionné de vélo, même s'il me semble un peu assis à l'arrière. Hein. Le dossard numéro 27 est porté par le triple vainqueur du Grand Prix d'Hilers, Guy Mollet, qui a bien failli gagner le Tour du Calvados. Et les boucles de l'Armagnac. Des épreuves où il était payant liquide. Après, donc, Guy Mollet, là c'est un passé tout récent, car il y a quelques mois, il était encore dans le peloton, et vous a fait vibrer sur les routes de Paris-Roubaix. Il a été champion de France. Marc Madio, double vainqueur de Paris-Roubaix. Nous faisons l'équipe de France, et qui court avec la Maillot-Bic. Ça vaut tous les discours, ça suffit. Le dossard numéro 29, par celui qui avait lutté avec Rudy Pevenage, qu'il retrouvera demain pour la conquête du maillot jaune sur les routes du Tour de France, Pierre Bazot, vainqueur d'étape. Et on peut remarquer la solidité des roues et des boyaux, Pierre. Le dossard numéro 30 est porté par l'ancien champion du monde de l'addition de points, vainqueur des 6 jours de Grenoble et de Bordeaux, Laurent Blondy, champion du monde en 1990. Il a le dossard
numéro 30. Le dossard numéro 31 est porté par l'ancien champion de France, vainqueur des 4 jours de Dunkerque. Ah, il s'est préparé dans la Nièvre. Il s'agit de Yves Lézard. C'est le seul à présenter le visage d'un vacancier. Le dossard 32 est porté par Alain Bernard, sprinter dans les rangs amateurs, et il avait trouvé sur les routes du Tour de la Vie, t'as vu, c'est repointé, là. Ouais. Même si Le Pen a un peu moins de dents qu'il y a 10 ans. Et toi, un peu moins de cheveux, tu me diras que ça se rejoint. Donc le dossard numéro 33 est porté par le Normand de Londinière. C'est pas Londinière. Non, mais tu y étais. Bon, pour moi, je me suis arrêté là. Jean-Claude Gentil, qui était l'un des fidèles de Louis Saucagnin, il portait le maillot de l'équipe qu'il a fait plus le Tour de France. Il a le dossard 33, c'est normal, il avait fait des études de médecine. Nous continuons maintenant. Avec le dossard numéro 34, il fut deuxième d'un Tour d'Espagne, deux fois deuxième de Bordeaux-Paris, il était cinquième du Tour de France, François Mahé, deuxième du Tour d'Espagne, vainqueur d'étape sur la Vuelta. Et derrière, François Mahé, ils se sont entraînés ensemble depuis 3 jours, donc ça doit promettre. Il a gagné le Tour de France, il a été champion de France, il a gagné la polymultipliée les 4 jours de Dunkerque, Lucien Marre, vainqueur du Tour de France en 1966, Lucien Marre, le voilà, merci, bonsoir Louis. Alors lui, j'espérais le rencontrer depuis longtemps, j'étais devenu un de ses admirateurs lorsqu'il avait gagné le Grand Prix de Francfort, parce qu'on avait la même profession de départ, donc je lui dis salut collègue, Gilbert Delhomme, qui avait brillé au Critérium National sur les routes des Grands Tours et qui fut vainqueur du Grand Prix de Francfort. Gilbert Delhomme qui avait les qualités de grimpeur et qui excellait notamment dans les épreuves comme le Critérium International. Puis ce soir, il est sur le vélo et j'en suis ravi. Et il a dû écourter sa carrière suite à un accident de la circulation et fut vainqueur d'étape au Midi Libre et au Tour d'Italie, Robert Forest. Robert Forest qui avait dû écourter sa carrière et ce soir, il a tenu à rendre hommage à Louis. Il est avec nous, je crois qu'on peut l'applaudir très très fort, Robert Forest. Avec le dossard 38, l'ancien vainqueur du Tour du Piémont, qui a brillé également sur les routes du Tour de Lombardie, Christian Jourdan, qui avait gagné la classique normande, Paris Camembert. Avec le dossard numéro 39, je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'exceptionnel. On aura dans un sprint, c'est la première fois, vous ne le reverrez jamais, André Darrigade, Benoni Beit, Jacques Esclasson et d'autres. Il a été maillot vert sur les routes du Tour de France depuis tout petit. Il rêvait d'affronter André Darrigade. Ce sera le cas ce soir. Jacques Esclasson, ancien maillot vert du Tour de France, qui était bien au premier tour et qui restait au deuxième. Avec le dossard numéro 40, l'un des plus beaux ambassadeurs du cyclisme italien, brillant plusieurs fois meilleur sur le Giro, en tant qu'il fut vainqueur, troisième d'un Tour de France, l'Italien Gianni Motta, qui est avec nous, très bon ambassadeur du cyclisme. Parce que tu n'as pas arrêté la compétition, hein. Il a conservé la même silhouette, comme Lucien Mar. Dossard numéro 41, nous avons avec nous un coureur venu de Normandie. Il a gagné étape sur les routes du Tour de France. Il a été champion de France. Il a terminé quatrième du Tour de France. Le Normand Raymond Delisle, ancien champion de France. C'était à 60 en 1969. Quelques années après, il devenait champion de France. C'était en 1976. Nous accueillons Guy Civil, le coureur marseillais qui a brillé sur les routes de Milan-San Remo, sur celle de la Flèche Wallonne, et ancien champion de France. C'était en 1976. Bonne réponse de Francis Aurillac. Et avec le dossard numéro 43, venu de Hollande, il a été champion du monde. Il a brillé également sur les routes de Paris-Roubaix. Quand il fut vainqueur, il a gagné le Tour de France en 1968. Le Hollandais Jan Janssen, la figure du cycliste hollandais,
Et le charreau de loin. Eh bien, monsieur le maire. Tout ensemble. Voilà. Louis, on est tous là. C'est un 3, 2, 1, go. Allez, on les applaudit comme sur le Tour de France. C'est parti pour 15 tours. Est-ce que l'instant déjà en difficulté? Attendu par Gilbert Bellon. À la course d'équipe existe. Est-ce que l'instant en difficulté, donc dans le premier tour, ça vous surprend? Un peu, oui. Oui, moi aussi, mais il va peut-être se rétablir. Alors on va s'asseoir un petit peu, quelque part par là, Jean-Louis Gauthier. Et avec vous. Je vous retrouve tout à l'heure, premier passage, avec Jean-Claude Chantier en tête, Henri Anglade en deuxième position, Italo Zilioli en troisième. Ah mais, dites-moi Jean-Paul, j'ai comme le sentiment que on se pique quand même au jeu. Hein. On se pique au jeu, d'autant plus qu'ils sont suivis par... Italo Zilioli, Paul de Dieu, Benoni Beck, Raymond Delisle qui revient, Henri Anglade qui emmène le peloton avec François Mahé, Yann Yonden, Christian Jourdan, Germain Méro, Marc Magnot, Roger Pinjon, avec Gilbert Bellon, finalement on ne sait pas lequel surveille l'autre, mais Gilbert Bellon s'est retourné, il n'y avait plus personne derrière, donc je lui donne quand même un conseil, et celui peut-être de réagir. Et le petit, il y a le petit caméra, c'est quoi le Tour de France, vous avez vu comment il flippe là à mon test? Il se prépare pour le tour. On a même l'impression que ça monte ici quand on le voit filmer. Il y a un peu de pouce. Jean-Louis, pour les grands partenaires de l'épreuve.
Nous cherchons Louis Vierman. Avec une attaque conjuguée de Raymond Denis et de Marc Madiot. Deux anciens champions de France. Marc Madiot qui a obtenu le titre sur le circuit de Tournevilly, Laurent Biondi. Qui en met le peloton en en troisième position. Jean-Saint-Lévesque avec le jeune Tendre qui remonte. Roulio Jiménez qui est là, Guy Civil. Juste derrière, voilà. Pour l'ordre des passages, nous sommes dans la deuxième moitié de l'épreuve. Attaque conjuguée de deux anciens champions de France. Mota, qui est au commandement, Lucien Mar en deuxième position. Et Guy Monnet en troisième. Marqué, quand on s'appelle Monnet, on ne peut pas faire autre chose que du cyclisme. Derrière Italo Signoli avec Carmelo Dupuis, chaque esclassant, ou qui semble très très près. Ah, il est bien esclassant, hein. Dommage qu'on le voit qu'un tour sur cinq. Mais sinon, il est bien. Donc, voilà, il reste 6 tours. Merci. Merci d'emmener Rostand Bolchol en deuxième position. Voilà Chimondi qui cadasse un petit peu le peloton, qui laisse maintenant Christian Jourdan, François Marie et Bertrand Ferlefort, Gégé Le Tendre, à la hauteur de Alain Bernard. Madame Bernard est bien là, il avait la gêne, il faut pas rentrer. Alors il reste maintenant un tour à couvrir dans le passage de Jean-Luc Vandenbroek. Attaque de Vandenbroek, réaction de François Mallet, le favori champion de l'Élysée, François Mallet qui revient. Pedrico en troisième position, Jérôme Améron, Yann Janssen, Péché Gimondi, Bernard Tépé, Michel Laurent. Voilà Jean-Claude Chanty, Pierre Bazot et le passage de Paul de Dieu. Voilà, c'est parti très très vite sous l'impulsion de Jean-Luc Vandenbroek. Que pour notre part, nous champion du monde, Laurent Biondi, Jérôme Améron, Pedrico, Rosme Bolchon et Restage également. Qui va être regradé, Jean-Claude Chanty avec un incendie qui essaie de reprendre dans le peloton. Quant à René Bertrand, il aurait volontiers, Pierre Chani, voté pour Nino Moyen-Gaz. Oui. Voilà, titre. Merci Daniel, je pense que ces deux derniers tours seront serrés, puisque que tous les commissaires qui s'occupent du placement. Spécialiste contre la montre, plusieurs fois placé dans le Grand Prix des Nations, ça revient derrière avec Jean-Stavelski, l'ancien champion du monde, et avec Jean-Stavelski en train de brigade. Tiens, ils ont, et Jacques Esclasson avec Henri Angane, qui est extraordinaire dans ce peloton, c'est qu'on a l'impression de souffrir d'amnésie. À gauche de moi, dans la main, les retours, on va prendre un petit peu de garde-porte de Jacques Esclasson. C'est ce que vous dites au cerveau, hein. Tout à l'heure, on va me dire, les noms. Non, c'est pas ça. Voilà Michel Laurent. Alors, c'est normal que Michel Laurent passe légèrement distancé. Il regarde s'il y en a qui se cachent. Et le gardien, on appelle. Donc, il reste moins de 2 tours maintenant, c'est bien ça. Et toi, il reste toujours 2 pages. Donc, 1 page. Merci, nous resterons à la table blanche avec monsieur Lebrun, plus jeune. Tout, on peut le mettre en concours, le grand belge. Avec Marc Madiot, donc l'un des plus jeunes participants. Reste à savoir maintenant qui sera deuxième. C'est une deuxième place qui est pour une victoire finalement. Hein. On met Vandenbroek parce qu'il est belge en concours. Et voilà Yann Janssen avec Raymond Delisle. Dernier tour, Marc Madiot qui revient. Ivesard, Léon. Oh, regardez, je jette le temps dans l'isolat. Allez, je gêne. Plus qu'un tour. Oui, très bien. Le mouvement est resté le même que jadis. Voilà, dernier tour. Paul de Dieu qui dit, mais bon sang. Voilà, dernier tour maintenant. Donc, Jean-Luc Vandenbroek dans les derniers sectomètres. Alors, amis spectateurs, hein, on ne peut entendre qu'une seule chose à l'arrivée. Toutes les mains se lèvent, on va vous faire faire un petit peu de culture physique. Et on tape le cœur, Jean-Luc Vandenbroek. Voilà, vainqueur de l'épreuve. Et pour la deuxième place, Jean-Stavelski avec Jacques Esclasson, André Darrigade. Darrigade, Esclasson, Esclasson, Darrigade. Jean-Stavelski, juste derrière. Ah, on vous avait dit que la France, allez, on les applaudit tous. Voilà l'arrivée de ce peloton qu'on a envie de dire pas comme les autres. Esclasson, Darrigade, je le disais, c'était un petit pas temporel. L'épreuve à laquelle nous assistions ce soir, c'est sûrement la première fois, Pierre Chani, c'est bien la première fois. Il y en avait devant, Gégène. Faut lui préciser parce qu'il n'avait pas vu les attaques, donc.
l'arrivée, il a vu que les premiers. C'est comme chez Jacques Martin, où est son papa, et puis tout ça. Donc, nous allons retrouver les lauréats sur notre podium pour la... On est tous dans le fond, c'est tous copains. Merci. On vous a vu attaquer, dites-moi. Au dire que je l'ai, mais c'est pas celui qui s'est ruiné le plus au vélo. Hein. Il a le vélo de Marcellus, le maillot de Van Poppel et le cuisseur de je sais pas qui. Donc, et ça c'est ses jambes. Ça c'est lui, il y a les non, c'est ça. C'est un ancien président de conseil. C'est pas vrai. C'est vrai, et de beaux conseils, on va peu trouver. Pierre Le Petit, vous étiez le caméraman sur la moto lunaire, et vous avez eu plus de mal à filmer que les autres. Ben non, ils étaient tous difficiles à filmer, parce qu'ils ont mis deux tours tranquillement, et après, ils ont embrayé, et c'était leur période. Et ils ont vraiment joué le jeu jusqu'à fond. Vous êtes allé voir Jean-Claude Gentil, qui comme vous, avait gagné Rangisor. Non, vous n'avez pas eu, vous allez voir, donc... Ouais. Non, il a pas eu le temps de voir Jean-Paul. Ah non, il a filmé Gentil, quoi, il s'est débarrassé. Non, mais on va très bien, merci. Je lui ai adressé une amie en votre moment. Oui, ben, tout à fait. Voilà, on va retrouver donc tous ces brèves, donc de ce souvenir Louis Ocania. Alors, les premières impressions du vainqueur, on disait, dans cette épreuve, un sentiment donc, de chaleur, la pensée, bien entendu, tournée vers Louis, et puis en même temps, la satisfaction de retrouver des champions parfois, on n'avait jamais côtoyé, c'était votre cas. Par exemple, quel est celui que vous avez eu le plaisir à retrouver aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un champion avec lequel vous aimiez être aux côtés dans le peloton? Par exemple, si tout le monde est à de retrouver parmi ces gens-là, où j'ai trouvé aussi des anciens députés comme Yves Lave, Jacques Sassan, Sibi et Bernard Pétain et John Pigot. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande histoire de métier, parce que tout ce que vous trouvez ici pour honorer la mémoire de Louis Ocania, je pense que c'était le plus beau cadeau qu'on puisse. C'est pour ça que vous n'êtes pas à fond dans le village. Ben, disons que ça fait 7 ans que j'ai arrêté. Je vais trouver une ligne de départ parce qu'il y a quelque chose que j'ai mis dans les gens. L'esprit de compétition reprend tout de suite au-dessus. Moi je pense que parmi les concurrents, on a tous ce petit même chose, cet esprit de vaincre. Aujourd'hui, on a passé un très bon moment. Voilà, il y a un badge qui s'impose à 19 sur l'heure. Vous êtes toujours, on est en période des élections, vous êtes toujours à la municipalité de Moucron? Non, faut pas tous les deux. Non, bah, c'est sûr, vous pouvez pas gagner ici, et puis, bah non, évidemment. Donc on va rejoindre maintenant le podium, merci. Vous pouvez l'applaudir, il vous entend, Jean-Luc Vandenbroek, qui va rejoindre le podium de la mer. Nous retrouverons tous nos amis de la presse. Oui, certainement, ça me fait plaisir. On se retrouve quelques années en arrière, de notre joie, ça c'est pas de on va voir si vous étiez seul, que les Belges présents lèvent la main. Merci. Ah oui, votre tante est belge, oui c'est vrai. Vous l'avez dit avant le départ. Merci, et ben, on va montrer qu'on apprécie le talent et le tempérament de Jean-Luc Vandenbroek. Voilà, on a fait une nouvelle fois le corps belge qui est sur notre podium. De cette épreuve ici à Villeneuve-sur-Lot, tous les champions vont nous rejoindre. Je voudrais que Maurice, l'instigateur de cette soirée, soit avec nous sur le podium. Il est où Maurice? Vous l'avez vu Francis? Je le cherche parce que nous aimerions évidemment l'avoir à nos côtés. Maurice, allez, vous voyez que Francis, tous les champions doivent venir, je suppose. Hein. Tous, vous venez tous. Hein. Alain Sandy, Marc Madiot, voilà, vous venez sur le podium parce que c'est un protocole un petit peu particulier. Voilà, puis nous aimerions également voilà, que tous les champions nous rejoignent. Et puis nous avons vu également dans la tribune les épouses des champions qui sont là avec nous. Et nous aimerions qu'elles nous rejoignent sur le podium avec, bien entendu, Madame Josiane Ocania. Nous aimerions qu'elle soit à nos côtés avant que les champions. Voilà, pour toutes les épouses de champions qui sont là. On a vu Madame Janine Ondine, on a vu Madame May. Alors on aimerait que toutes nous rejoignent sur le podium. Josiane, si vous voulez bien venir avec nous. Maurice, qui est attendu également. Voilà, Jean-Stop Lassier, qui dit ça y est, c'est fini. Jean-Stop Lassier, un petit peu plus de 63 ans. Eh bien, bon champion. Pardon. Ça fait du bien quand ça t'arrête. Oui, c'est ce que je suis en train de lancer, justement. Voilà, alors Gilbert Bellol, qui nous rejoint. Bonjour, Gilbert.
Il y avait pas des bonnes passes dans le peloton, hein. Nous avons également. Oh ben Jacques Escasson, ouais, ça va. Ça va. Mesdames, messieurs, Jacques Escasson, deuxième de l'épreuve. Il a enfin battu André Darrigade. Oui. Voilà Henri Anglade. Henri, c'est fini, hein. Il y a votre deuxième étape. François Mahé. Ah, il a bien marché, François Mahé, hein. Henri, quel sentiment, qu'avez-vous à dire? Il y en a qui tombent trop vite les jambes. Je dirais simplement, ceux qui étaient devant une machine à écrire aujourd'hui, que j'étais souvent sur la barre d'échappement. Hein. Alors il y en a qui tournent très vite, puis il y en a d'autres qui tournent beaucoup moins vite. Et au moins, quand on passe doucement, les gens vont moins mieux. Voilà Raymond Delisle qui félicite le vainqueur, Jean-Luc Vandenbroucke, Robert Forest, Bernard Thévenet, Gianni Motta qui est également sur le podium, Laurent Biondi, ancien champion du monde, qui nous rejoint. Voilà, nous avons également Paul de Dieu. Ah ben dis donc, vous êtes parti ouvrir les clés du vestiaire, c'est pas possible. Voilà tous les champions qui sont avec nous. Voilà, ils vont s'avancer. Tout d'abord, Jean-Luc Vandenbroucke, le vainqueur. Voilà, on applaudit Jean-Luc Vandenbroucke. Allez, sans ordre. Voilà, Chantal Mansky. Voilà, allez, Henri Anglade, Bernard Thévenet, Jacques Escasson. Allez, toutes les mains se lèvent et leur réservent une grande élévation. Les applaudissements qui vont évidemment rejoindre Jean-Louis Louis. J'aimerais bien, bon, j'ai gagné cette épreuve et j'aimerais bien remettre mes fleurs à Madame Louise Ocagna. Voilà Jean-Luc Vandenbroucke qui remet sa jeune moment de notion dans sa Madame Louise Ocagna. C'est vrai que tous les champions qui sont là, j'aperçois la barre presque dans l'anonymat. Félix Gimondi, Italio Sigioli, Gianni Motta, on peut remercier nos amis italiens d'avoir fait le catastrophe de nos ordres. Je cherche Federico Bamontes. Federico, bien. Roger Jiménez, Marc Madio. Vous venez sur le podium, Roger Pinchon. Il paraît absolument indispensable de les remettre à tous ces champions qui nous ont fait l'honneur, de même que nous avons deux gerbes. Je ne sais pas quel était le classement, mais oui. Sylvie va peut-être les remettre, oui. Quel était le classement? Il y a encore deux gerbes avec des demoiselles là, qui ne demandent qu'à embrasser les champions. Alors, moi, je rêve de ne pas en être un, d'ailleurs, mais enfin, que voulez-vous? Alors, nous allons avoir le trophée, monsieur le maire, au vainqueur, Jean-Luc Vandenbroucke. Donc, le trophée du vainqueur. Voilà, pour Vandenbroucke. D'ailleurs, attends que vous l'applaudissiez, hein, vous faites comme... Merci. Le deuxième, c'est Jacques Esclatant. Jacques Escasson qui est le deuxième. Jacques, qui est le deuxième de ceux qui ont fait quatre tours. Ah Jacques, c'est le deuxième de ceux qui ont fait quatre tours. Non, les commissaires n'ont rien dit. Hein. Ouais, tu peux le prendre. Il paraît que tu avais un oncle et un beau frère chez les commissaires. Non, enfin, on t'a appelé au téléphone. Ah oui, enfin ça. Mais t'es deuxième quand même. Hein. Le troisième, c'est André Darrigade. Il est André. C'est où André? Non, je n'ai pas dit. D'accord. Ah oui, ah, dis-le Maurice, j'ai oublié. Alors demain soir, vous pourrez rejoindre pas mal de champions rue de Pujol, c'est bien cela. La rue de Pujol sera barrée demain soir. Ouais. Quand même, il n'a pas perdu les bonnes habitudes. Voilà la banderole que nous avons été réalisée par notre ami Titi Padron, que nous félicitons. Bravo Titi. Jean-Stéphane Vinsky, donc le quatrième, c'est Henri Anglade. Il n'en revient pas, mais c'est vrai. Henri Anglade, qui vous donne rendez-vous dans le Beaujolais chez Paul Saint-Guin le 28 octobre de cette année. C'est les retrouvailles, c'est un plateau un peu comme aujourd'hui. La grosse différence, c'est le vin. Il n'y a pas de Bordeaux. Vainqueur d'étape sur l'Hérault du Tour, quatrième de la Tour de France. Voilà. Il est de la Manche, pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel.
Mais il est en train de dire qu'il est conseiller municipal chez lui, c'est parti. Mais bon, il est passé au premier tour. Merci, au revoir, Raymond. Merci. À bientôt. Voilà, un trophée également pour Bernard Thévenet, le double vainqueur du Tour de France. Voilà un très très beau trophée pour Bernard, qui a encore le coup de salade. Hein. Si, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est sûr, j'ai le coup de salade, hein, mais pas très efficace. Hein. Vous savez, je disais côtoyer Louise dans les pelotons. Quel est le souvenir premier ou le souvenir le plus fort qui vous revient concernant Louise de Gagnard? Le premier souvenir, c'était dans un Tour du Roussillon. C'était ma première course internationale. C'était, on peut dire la date, c'était en 66, donc c'est pas hier. Et le premier jour, on est arrivé à une douzaine d'échappées, je crois. C'est Maurice Pava qui l'avait emporté. D'ailleurs, il était là tout à l'heure et je ne l'avais pas revu depuis ce Tour du Roussillon. Ça m'a bien fait plaisir de le revoir. J'espère que je le reverrai aussi tout à l'heure. La deuxième étape, c'était Louise qui l'avait gagné. Et la troisième, c'était moi. J'avais gagné le Tour du Roussillon au point. Et je me rappelle que Louis était venu voir à l'arrivée parce que lui était persuadé qu'il avait gagné, il n'avait pas bien fait le calcul des points. Et il était vraiment étonné parce qu'il ne me connaissait pas du tout. Moi je ne connaissais pas beaucoup non plus d'ailleurs parce que j'arrivais de la région lyonnaise et lui il était un petit peu d'ici. Et il avait été très surpris. Puis après j'avais revu dans le Grand Prix des Nations contre la montre amateur. Et puis après il est passé professionnel, on s'est perdu de vue pendant 2 ans. Et puis après on est resté ensemble chez les pros. On s'est beaucoup bagarré parce qu'il m'a battu 2 fois pour la première place dans le Dauphiné, une fois dans le Tour de France et puis dans beaucoup de courses. Disons que nous étions très amis mais de grands adversaires en même temps parce que nous nous retrouvions souvent ensemble dans les moments difficiles puisque nous avions tous les deux les mêmes spécificités, à savoir le contre-la-montre et la montagne. Alors on s'est partagé un petit peu dans ces deux terrains-là, donc on se retrouvait toujours l'un contre l'autre sur ces terrains-là. Ouais, c'est vrai que votre nom a souvent été associé au sien, en tête des classements et dans la lutte en haute montagne. Merci et bravo Bernard Thévenet. Et qui reçoit le trophée offert par le magasin Intersport. Bravo Robert et merci. Merci Robert et bravo. J'aperçois François Mahé. Ah, il a été remarquable, François Mahé. Le Jean-Paul Olivier vous a parlé tout à l'heure de son exceptionnel palmarès. Deuxième de Tour d'Espagne, 2 fois 2e de Bordeaux-Paris, maillot jaune sur les tours du Tour de France. Et qui a encore de bonnes jambes. Et est dans quelle année, François? 1900. C'est dans quelle année? 1900. C'est bon. 1962, bonne réponse de Marc Madiot. Marc va recevoir également un trophée qui tenait plus que tout autre. Comme les autres d'ailleurs, à être présent plus que tout autre, c'est difficile à dire. Mais il est devenu coureur cycliste grâce à Louis Ogagna. Il a beaucoup admiré Louis. Je crois que pour ça, on peut dire merci à Louis également d'avoir fait naître une vocation chez celui qui a été l'un des meilleurs coureurs mondiaux dans les classiques. Double vainqueur de Paris-Roubaix, Marc Madiot, qui est avec nous sur la bagnole. Et je vous remercie aussi d'être venu. Voilà, ça vaut tous les discours. Un maillot mic et il reçoit. Ben c'est normal, la boutique du Pruneau, si c'était chez nous, ce serait la boutique des pommes, mais que voulez-vous? Chez vous, c'est le Pruneau, à chacun sa région. Merci Marc, c'était sympa alors. Vous dites, c'est deux fois. Oui, c'est n'était pas aperçu qu'il y en avait cette deux fées alors. Non, très bien. Roger Pinjon, remarquable. Non, j'avais donc dit qu'il y avait dit, c'est Roger Pinjon qui va gagner. Ben dis donc, Janice, qu'est-ce qui s'est passé, un pronostic comme ça? Ben, je ne sais pas, pourquoi on ne l'a pas vu tous les tours. Hein. Non, ça, c'est sûr. Roger Pinjon, c'est fini, hein. C'est fini, hein. Oui, vous verrez. Non, non. Très bien. Je regarde maintenant Christian Jourdan, Laurent Biondi. Si vous voulez bien nous rejoindre. Voilà, une coupe offerte par la boutique Doris. Je ne sais pas si c'est hier, mais en fait, c'est la boutique Doris. Une coupe également pour Christian Jourdan. Ah ben c'est, pardon. Pour Laurent Biondi, l'association des commerçants de la Bastide, pour l'ancien champion du monde. Et également pour Didier Favreau, qui est l'homme qui a réalisé la banderole équipée.
pédaler avec le vélo de Louis tout à l'heure, ou la Tétibal Fabro qui gagne une coupe de la parfumerie à Civette. Comment dire, les gens, il y a du monde, des gens qui sont atteints d'un petit mal, d'un petit mal bénin, qui ne font jamais désespérer, car j'ai dans mon corps quelque chose qui n'est pas très très bon, et quand on a ça sur sa tête, on n'est pas très très heureux. Mais j'ai tenu quand même aujourd'hui à faire du vélo. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Merci. Alors c'est offert, ben, je vais dire, comme c'est offert par vous, vaut mieux que ce soit moi qui l'ai. Hein, offert par la ville, la municipalité de Villeneuve-sur-Lotte. Voilà, Carvalho, qui est suédois depuis 5 générations. Hein, c'est ça. Merci. Sporting, et puis les autres coupes iront bien sûr à tous les champions, le podium. Est-ce que Rulio Jiménez est là? Rulio et Federico, le meilleur feu d'artifice, c'est celui de vos applaudissements. Merci. Ça roule, hein. Donc, affronté d'environ 250 mètres, Nelissen, Winstra, il y a également Van Poppel, Bust et quelques autres coureurs rapides à moins d'une échappée vu le jour dans les tout derniers kilomètres de ce dernier peloton groupé. Voilà le sprint, mais lancé de très loin, Nelissen est facilement reconnaissable. Avec son maillot de champion de Belgique, elle se détache, Nelissen, avec Winstra qui essaie de remonter. Nelissen, Winstra en deuxième position, Henri à la troisième place, Kirsipou en quatrième position, voilà pour l'arrivée de cette étape. Donc victoire de Nelissen, Winstra est bien remonté. Henri termine en troisième position et en bonne place également. Donc Kirsipou de l'équipe Chazal et Mbeka Koning. Voilà pour le classement de cette première étape. Le favori. Avant, bien entendu, l'explication donc du contre-la-montre que nous aurons cet après-midi. Motorola pour le tour qui partira du département. Les parties de l'Oise, Vistra. Jacques Henry qui termine premier français de ce sprint. Alors on peut dire Bernard Thévenet, un sprint sans surprise. Nelissen, vainqueur. C'était évidemment, en cas d'arrivée au sprint, le nom qui revenait sur toutes les lèvres des pronostiqueurs. Oui, bien sûr, ça ne fera pas une grosse faute. Hein. Je pense que tout le monde aurait parié sur Nelissen.
Sur Vetra également, je vais peut-être rentrer en vélo. Ouais. C'est vraiment la grosse note, c'est Henri avec sa troisième place. On attend voilà, merci Bernard de ces impressions sur la qualité qui nous a rejoints sur le podium. Nous allons accueillir tous les lauréats, le tableau d'honneur. C'est ici de quelqu'un que vous connaissez bien, Bernard, sur notre podium. Voilà, Axel Merckx qui nous a rejoint, qui recevra tout à l'heure. Voilà, on peut lui remettre tout de suite le prix de l'élégance, parrainé par nos amis des Sous de Montcalm. Monsieur Pugnetti, c'est écrit comme ça se prononce, qui va donc nous rejoindre sur le podium pour féliciter le jeune joueur belge, fils de Eddie, bien entendu, Axel Merckx, qui a été cette année l'un des meilleurs lors du Tour méditerranéen, formidable animateur de la pêche wallonne et également dans l'Amstel Gold Race. Il a fait une belle période de classique. Axel est maintenant dans les courses à étapes et dans la route du sud. Voilà le jeune joueur belge qui reçoit donc le prix de l'élégance, et nous le rappelions tout à l'heure, très efficace dans la première partie de la saison au Tour méditerranéen, mais également dans la pêche wallonne, qui n'est pas une course qui présente un profil tendre. À Champion de France, ça s'applaudit plus fort encore. Merci. Merci, Gilles. Jacques Durand, c'est celui qui a le maillot bleu vin rouge. Le monsieur à côté, c'est François Valric. Oui, très bien. C'est bon, les photos, ça va? Très bien. Après Jacques Durand, ben nous allons retrouver sur le podium le vainqueur de l'étape. Elle nous vient de Belgique. Son directeur sportif a hier franchi la ligne d'arrivée le premier. Il ne pouvait pas faire autrement que de faire pareil quelques jours après. Wilfried de Nélissen, la chance de l'étape d'Armentière avec Laurent Jalabert et Fontanelli d'Italien. Et le Fagnon. Éric Jardin, donc, qui est remis au vainqueur de l'étape par monsieur le vainqueur de l'étape, et du même coup, eh bien, devient le remis au classement général, car il y avait 6 secondes de modification sur la ligne, 4 secondes au deuxième et 2 secondes au troisième. Donc, le maillot parrainé par Air Liberté. Voilà, carte de visite avec des victoires dans le Hainaut, des 7 étapes Tour de France en Paris-Nice, dans les 4 jours de Dunkerque, dans les toiles de Bessèges, dans le Tour de Hollande et bien entendu sur la route du Sud. Voilà le maillot de premier classement général, maillot parrainé par Air Liberté qui est remis au champion belgique Wilfried Nélissen. Premier des classements général, elle nous attend tout à l'heure donc le premier départ, donc à 14h30, et voilà le classement général. Donc le maillot de France 3 Sud, France 3 qui vous donne rendez-vous ce soir et chaque soir, bien entendu, dans le cadre de cette édition 95 de la Route du Sud. Et à l'instant d'animateur, dans toutes les courses auxquelles il participe, et la victoire, eh bien, j'ai obtenu aux États-Unis l'année dernière, au Milwaukee Classic. Il a obtenu également sur les routes du Tour du Vaucluse et dans la. Qui est remis par monsieur de Toulouse-Maillot, donc de la région Méditerranée, c'est le maillot des sprints, c'est-à-dire des points chauds qui se déroulent en cours d'étape derrière Weissmann. Eh bien, nous retrouverons un autre coureur venu d'Allemagne qui était en conversation avec Delphine Bruno de Sud Radio. C'est Kai Altermark qui lui va recevoir le maillot blanc et rouge, le meilleur grimpeur parrainé par Sud Radio. Parrainé par Sud Radio qui vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 avec un spectacle de la qualité. Nous y retrouverons donc Étienne, le chanteur des Golds. C'est à partir de 21h30. Voilà, le maillot. Thank you.
Jean-Louis, Jean-Louis. Voilà, avec le père Marc, le dernier à recevoir un maillot sur le podium, c'est ainsi que s'achève cette cérémonie protocolaire. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à 14h30.
va être de l'allume à l'effort, hein, peut-être. Oh, oui, on peut, hein, ça ne vient pas. Hein. On dirait qu'il fait du tourisme, on est à 50. Hein. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Un peu plus, hein. Ah oui, là. C'est là le tir. Hein. Pas si on va pouvoir la monter comme il faut. Hein. Ça circule dans tous les sens. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Alors là, ça va être. Thank you.
là. C'est loupé le braquet là. Ça c'est bon dans la relance là. Ah ouais, là oui. 3 mètres de perdu. Ah ouais. Là il a loupé de là. On a vite ralenti hein. Ouais. Il n'est pas en recherche de vitesse ni rien du tout le gars là. Hein. Non, non, il pédale vraiment. Bah, vu le classement. Hein. Oui. Ouais, ouais. Ça sera meilleur dans les grandes gagnes. À gauche. Si vous voulez prendre ça. Alors j'en garde un peu.
tête tombée là. Et nous, le tour, il va durer plus longtemps comme ça. Nous, on va le suivre assez près, derrière, parce que s'il crève, on saura. Parce que j'ai pas de
groupe va s'arrêter à l'arrivée. Je sais pas quand même. On a 50 là. 48-50.
pas avoir, hein. Ah oui, voilà. Ah, il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a pas de commissaire, il n'y a rien. On dira rien. C'est vrai qu'on est bien dans les roues, hein. Ah bah oui.
nous avons Gilles Solion, le coureur de l'équipe Chazal MTK Koenig. Secondes et 15 centièmes, voilà pour les arrivées. Donc Pierre et Laurent, meilleur temps actuellement en 25 minutes 55 secondes devant Pascal Hino. Alors que derrière Udo Bolt, nous aurons le départ de Philippe Louvion, le coureur de l'équipe Chazal MTK Koenig, qui a été marqué par une noire malchance au cours de la saison 95. Il est entré tardivement, donc en compétition seulement à la fin du mois de mars, et puis au mois de mai, pour la première étape des 4 jours de Dunkerque. Il était ici d'une chute et d'une fraction de la clavicule, et puis il n'est pas réapparu en compétition depuis 4 jours de Dunkerque, c'est une étape de près. Quinze secondes, dix, cinq, quatre, trois, deux, un, stop. Voilà, derrière Gilles Louvion, nous aurons le départ de Blaise Chaudière, l'équipe de la Nouvelle de Seine-et-Marne. Ensuite, le Breton Laurent Lanoise et Jean-François Bernard. Toujours au départ, donc attendu, Blaise Chaudière, Laurent Lanoise, Pascal Lens, Pierre de Saint-Mertel et Jean-François Bernard qui vont se présenter dans cette heure. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Monde est 54 centièmes. 27, 57, 54. Alors que sur la montre de l'enfant, l'un des points capables contre la montre du plus de la route, c'est ce qu'il a terminé. 5ème. Consécutive du critérium du Dauphiné libéré. Blonde est 39 centièmes, 27, 26, 39 pour l'Italien Valerio Tebaldi. Derrière Laurent Dufault. Qui a été champion du monde. Triple vainqueur de l'épreuve à laquelle vous assistez, Gilbert Duclos-Lassalle. Le temps est
20 secondes. Sur l'équipe Cessna, comme cette année, de l'étape de Boulogne. Nous avions l'arrivée donc de Van Dijk, nous avons fait part vers la chance de Robin. Eh bien, Robin peut entendu. Et Nicolas Oguier-Bachou. Oui. Paris-Nice. 3 points vainqueurs de la Route du Sud. Il a bien mérité l'ovation de Guillaume Durand, le départ. On fait un truc, Gilbert, allez! 5, l'arrivée de González Arrieta, 2, 1, et top! Allez, Gilbert! Alors que derrière lui, nous serons Robert Benet et nous serons également donc Laurent Brochard et Stéphane Pulser, décidément, et Sartouage du succès avec ce départ. Yes, 27, 57, 12. Allez, Rob. L'arrivée de Valérie, on va avoir le temps de réaliser par celui qui l'a déterminé. Ouais, c'est là. Quand on fait dans la grimpette. Ouais. Pas terrible, mis à la marge. Allez, quand on... Merci, Pierre. Je vais vous t'en 20 minutes, c'est bon, je te laisse. Eh, 10 km sur la plage, je viens te rejoindre. Ok, on est là-bas. Ok. Ouais, parce que moi je suis revenu, il était 25 et je suis parti à 3h. 25 minutes quand même. Okay, voilà. 25 minutes. Double vainqueur d'étape pour Critérium du Nord qui est libéré. On encourage Arnaud Coppa et applaudissements. Richard Miron. L'équipe de Cessna, derrière Richard Miron, Capstar, le grand de l'équipe au Perpignan 93, le jour, même Capstar, qui avait ramené pour l'équipe de France une médaille de bronze. C'était le 13e sur la ronde de lancement. Une minute, que voulez-vous? Parfois, le hasard est un sujet. Les choses suivent et se ressemblent, même s'il s'agit d'une épreuve contre la montre, non pas d'une course en ligne. Meilleur de Clerc, de son Roland Meyer, Chris et Frédéric Montier. L'arrivée ici donc de Arturas Kasputis, on va voir le temps. Ah. Voilà, on est signale que le match de rugby qui était retardé, ça nous arrange bien finalement. Le grand de l'équipe Goldstrop, le vainqueur d'étape au Tour de Pologne. Puis nous aurons Nicolas Chalabert. Donc c'est la grande rentrée et le départ de Thierry Marie. Alors que nous avons l'arrivée de Gilbert du Colossal. On va avoir le temps de réaliser donc par champion d'une grande élégance sportive. Le temps de Gilbert du Colossal, 27 minutes, 20 secondes. Et le voilà, il effectue sa rentrée à Fête de Valard. Donc, que nous avions. Et c'est l'arrivée de Harbeling et de Aubier. Derrière nous aurons. Voilà, tout ça est technique et soit bronzé. Il était 3 fois maillot jaune sur le Tour de France, maillot rose sur le Route du Nord d'Italie, maillot Mario sur les routes du Nord d'Espagne, le champion normand Thierry Marie, qui a gagné cette année donc le Tour de la Côte Picarde, qui s'est imposé également sur le circuit d'Attarde, mais plus parmi les meilleurs dans le Tour de l'Oise, alors que Laurent Brochard valise 25 minutes. 48-99, pour Laurent Brochard, c'est le deuxième temps à 10 secondes seulement de Chris Norman, une belle performance réalisée par le Français Cessna. Alors que derrière Thierry Marie, nous aurons Vantec, Harbeling, le grand de l'équipe CBM, et derrière Harbeling, nous attendons l'équipe Cessna, meilleur grimpeur des derniers Tours de France. Voilà, on va avoir le temps. Un rayon de 14 centièmes, 26-28 pour François Six. Le temps d'apparition, 26 minutes, 13 secondes pour le grand espagnol. Et je croyais qu'on était d'accord. Je faisais la cuisine et la vaisselle était pour vous. Oui, oui,
on s'en occupe. Non, pour le moment, on veut seulement savoir qui va l'essuyer. La meilleure performance pour Chris Jordan en 26 minutes. Et 30 heures, 28 minutes, 15 secondes, et 19 centièmes, 28, 15, 10. Allez là. Les grands partenaires de la route du Sud, Gourde, 28-08 pour Hervé Poussard, ensuite, puisqu'il avait gagné dans les grandes Alpes madrilènes, l'ultime étape de Nelo, le grand breton de l'équipe Anesto, on va avoir le temps réalisé par l'ancien vainqueur du Tour de Suède, qui est au Sable d'Olonne, derrière Kirsty Poo, nous aurons le départ de Cyril Saugrin, de l'équipe Aubervilliers 93 de Peugeot, qui l'année dernière était devenu... qui avait donné à la France sa première victoire d'étape dans le Tour en 1994 puisqu'il s'était imposé dans l'étape de... Je dirais, c'est l'inondation, mais là, c'est pas une inondation. Voilà, au niveau des arrivées maintenant, il y a toujours donc, des grands qui se succèdent, bien entendu, avec Frédéric Montier. Mais cela n'inquiète pas, donc, Bormann. Frédéric Montier réalise 27-08. Cela lui permet d'entrer pour l'instant les 10 premiers de cette étape contre la montre. Prochard, 25-41. Troisième Eddy Seigneur, 25-53. Quatrième de France, et que vous avez raison de venir, Thierry Marie Meillon. Donc, je vous ai fait contre la montre, 25 minutes, 19 secondes, meilleur temps à la moyenne, 25 minutes, 23, Laurent Brochard, 25-41, Eddy Seigneur, 25-53, et Pascal Lens, 25-55. On savait, on le disait, on le répétait, Thierry Marais est en train de réaliser l'une de ses meilleures saisons depuis son maintenant de Nicolas Jolabert, que nous sommes heureux de retrouver dans le peloton. Nicolas qui a envie de mettre les bouchées doubles et de se mêler au sprint d'ailleurs pour sa première course. Alors que nous avons l'arrivée de Van Vleuten, on rappelle Lania qui a donc rejoint Jane Capi, le sprinter de l'équipe Motorola. Elle est à peu près fraîche. Ouais. Comment elle est pas bouillante? Bah, une bagnole. Non, parce que le gazon est chaud, je vais pas le voir. Pardon. Merci. Au grimpeur avec l'escalade du plateau de Metz, qui sera évidemment la difficulté majeure
de l'étape du jour, mais en même temps de cette route du Sud. Et là, nous aurons évidemment un test de grandeur nature à quelques jours du départ du Tour de France. Il sera intéressant de voir quels sont les coureurs qui sont déjà au top et peut-être que certains qui n'étaient pas très bien du Sud, et à partir de ce moment-là, eh bien, il est évident qu'ils prendront confiance à quelques rappelons. La début du midi qui vous donnera toutes les épreuves de la région Aquitaine, la région Midi-Pyrénées, le conseil général du Tarn qui paraît de Weissmann. On va voir, je regarde les temps pour Weissmann, ancien vainqueur de la course. C'est passé, la ligne. J'ai regardé sur le podium, il y avait 40 secondes, 27-40 pour Nelly Sen. Dufault à 49 secondes, une étape Federico Bamontest. Voilà, dans un instant, les maillots jaunes. Thierry Marie a obtenu son premier maillot jaune sur les routes du Tour de France en 1986. Maillot jaune, c'est lui. En 1989-90, c'est là, le voilà. Regardez la joie, ce vide sur le visage. Et même dans les yeux, on ne sait rien que vous dites, ce sont les plus beaux yeux du peloton après les miens. Donc, voilà, Thierry Marie. Thierry Marie, vainqueur de l'étape. On va l'annoncer ici à 1900. Regardez comme il est heureux. Il a même l'impression que c'est déjà le Normandie. Ou presque. Thierry Marie, félicité par Francis Auriac, qui lui remet donc le pognon Thierry Jardin. Professeur Garonne, là, c'est pour le classement de l'étape et pour le classement général. Le pognon. Mais il n'y a pas de temps, Thierry. Ah ben dis donc. Alors, là, si tu fais un couleur, c'est un critère. C'est même plus occupé de Francis Auriac. Vas-y, toi, Thierry. Avec madame est à Cherbourg. Bon, alors nous enchaînons avec. Voilà. Mais là, vous l'applaudissez, hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est tout à fait autorisé. Non, c'est la première. C'est merci. C'est la réponse à distance. La prochaine fois, je vais avec un Fekiwaki. Donc, c'est la première fois qu'il en ose le maillot de premier au classement général. Il aime habituellement le jaune. Là, c'est un maillot blanc-orange. Mais il y a du jaune également. Et ensuite, mon cher Thierry, après, comme vous l'avez dit, vous allez recevoir un jeu Tour de France pour faire jouer les petits voisins. Je fais le tour si je peux m'en servir. Oui, le soir d'étape. C'est plus facile comme ça. Le soir d'étape, ok. Alors, Thierry Marie, on va. Voilà, le maillot du corps sur les épaules. Premier du classement général. Légère. Regardez comme ça ne lui plaît pas d'être aussi serré de près. Hein? Attends. Le Francis Auriac, si vous voulez être pour un coureur maintenant. Ah bon, d'accord, très bien. Juste ici, à présent, restez, mon cher Francis, et nous allons ensuite recueillir les impressions de celui qui est le vainqueur de cette étape, le monsieur Thierry Marie, et une dernière fois, le tour de la capitale de Thierry Lassard, et c'est moi, Francis, c'était un beau palmarès. Il était trois fois maillot jaune du Tour de France dans les prologues, il avait gagné l'étape du Havre, après plus de 200 km d'échappée en solitaire, il voulait traverser la Normandie en jaune. Il y était parvenu, il fut également vainqueur du Trophée Barretti avec Laurent Fignon, de l'Europa Cup avec Laurent Fignon, il a gagné le Tour de Hollande, le Tour du Limousin, c'est un palmarès somptueux, il a terminé, lui qui avait gagné le ballon de montagne, il a terminé parmi les 20 premiers étapes de l'Alpe d'Huez, il est quand même pas battu. Alors, pardonnez-moi, mademoiselle, prenez soin. Oui, merci. Voilà, Thierry Marie est juste avec eux. Alors, Thierry, je le répète souvent lors de mes présentations, on a le sentiment que vous êtes peut-être en train de réaliser l'une de vos toutes meilleures saisons depuis votre passage dans les pelotons professionnels au milieu des années 80. Oui, mais en tous les cas, je me dis que depuis le début de saison, des bonnes galères, et puis je pense que ça paye aujourd'hui avec les contre-la-montre réalisés avec des bonnes places derrière Chris Gourmand, et je vois qu'aujourd'hui, c'est juste devant lui, donc c'est très bien. Ouais, c'est la grande. Moi, c'est notre première saison dans les rangs professionnels. 11e, je crois, non?
Alors j'ai envie de vous demander où est-ce que la confiance est arrivée. Parce que dans les contre-la-montre, je dirais pas qu'il y avait un moment de doute chez vous il y a un an, il y a deux ans de ça, vous ne retrouvez pas le Thierry Marie, le directeur normand, que l'on dit le Thierry Marie explosif, qui se tient des problèmes. J'ai le sentiment qu'il y a eu deux ans, sinon noir, du moins un petit peu plus en 2015. C'est vrai, c'est compliqué pour notre bâtisse. Et je pense que c'est très bien pour la fille. On va probablement voir le prochain jour des sponsors, un nouveau sponsor dans les prochaines semaines. Donc, on prend confiance aussi. Très bien, je vous pose une question, vous me répondez d'une autre manière, puis je vais revenir, moi je suis déçu. Donc comme c'est ce que Thierry Marie s'est dit, je vais regagner des problèmes. C'était sur le Dauphiné, lorsqu'il y a eu le format de l'Iclerec devant. Oui, je me souviens dans l'année 93, c'était quand même béni pour moi, parce que j'avais dominé pas mal, et je me trouvais toujours dans de bonnes places, mais pas vers la droite, par la victoire, donc c'était un petit peu gênant. Mais j'ai pris confiance, vraiment au début de saison, j'avais très bonnes jambes, et oui, les Normands sont pas généreux, mais pour les vies, ça va. Hein. Nous allons maintenant. Ah, bon.